Bonjour et bienvenue au 14e épisode de Pokémon version Uranium en Nuzlocke Challenge. En ce moment, on se retrouve à Bourmoki en plein milieu d'une session d'XP. Donc actuellement, ma compagne Nera Fenardan au niveau 33. Niantita, Nera a une puissance cachée féerique, oui, dans Uranium, on peut avoir le type fée en puissance cachée, donc c'est assez marrant. Niantita qui m'accompagne parce qu'en ce moment il ramasse plein de petits objets et vu que j'ai accès à Vagune, j'ai envie de me faire plein de Pokédollars pour acheter tout ce qu'on peut acheter là-bas. Donc il m'accompagne pour le moment pour la session d'XP. Tinkarase qui a récemment évolué avec sa défense un peu fumée. Ougiloté, toujours fidèle, qui a une bonne couverture de type. Roanor, bien sûr, je suis obligé de me trimballer parce que c'est mon esclave ACS et c'est le seul qui peut casser les rochers de Bourmoki. Et Wingull, ok, donc en cours d'entraînement, niveau 25. Ça monte tout doucement, il te reste encore au moins 10 niveaux à faire. Mais petit à petit, ça monte. Alors, on va commencer par une visite au professeur Bambo. Oui, mon poteau, je te tape la main. Hein, bonjour, mon poteau. Es-tu venu ici pour évaluer ton Pokédex? Oui, parce qu'à Cascaron, qui m'a appelé mon poteau, là. Hein. Donc, je lui parle pareil, en langage familier, mon poteau. Oui, alors, donc, tu as vu, oui. 26 Pokémon j'ai capturé. Merci, j'ai une canne. Eh oui, vous avez obtenu plus. Voilà, parce que tous les 10 Pokémon, il faut lui rendre un petit coucou pour avoir la récompense. Donc je vais continuer ma session de Green. Non, ce sera un épisode assez tranquille. On se retrouve à Vagune, le temps de faire tout le trajet à la Tandor. Oui, parce qu'il faut tout faire à pied pour aller d'un point A à un point B. Le métro n'est toujours pas terminé encore à ce stade-là. Le métro de Tandor, les ouvriers sont en grève, hein, y a toujours des problèmes, bref. On se retrouve à Vagune et on va se faire les quelques combats, il y en a 2 ou 3 dans le parc public de Vagune. Et faire une petite session Voltor Bataille au casino, avec la musique du casino. Ça sera un épisode sympathique. Et nous voici de retour à Vagune. Donc j'ai encore un petit peu pexé le temps d'avoir fait quelques dresseurs répétables sur le chemin qui voulaient leur revanche. Donc pour ce retour à Vagune, je vais prendre Lokémon qui est sur le point d'évoluer. On va le mettre en premier. Parce que je souhaite vous montrer une évolution. Voilà. Donc nous allons en parc public de Vagune. Alors. Et on va commencer à parler à tout le monde. Chouetton! Oui. Attention, Robocop en... ici. J'adore mon humain. Elle me donne des bonbons en retour. Je lui apporte des trucs qui brillent. Merci Robocop. Mon chouetton trouve souvent des objets brillants et me les apporte. Celui-là est chanceux. Pourquoi il t'en a pas un? J'espère que cette pièce d'or. Oui, ça va donner plein de Pokéfric. Eh ben, on va lui donner à lui, tiens. Il va servir à quelque chose. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y a 2-3 combats ici, hein. Ouais, arrête de bouger, toi. Oups, ok. Eh ben, on va combattre ce marin, allez. Eh, Greg, sur la terre ferme, dans le mal de terre. Bah, va dans l'eau alors. Phénacel, ça je pourrais limite le gérer. Enfin, non. Quand je pense à Babou-Linel qui disait. Parce que dans le combat précédent, le marin il a dit j'ai perdu mon Phénacel. Mais je viens d'en perdre un, pourquoi tu me montres un Phénacel? Narga suprême. Allez, attaque Lamder. Enfin, non, pas un Phénacel, un. Moi, c'est un fénoyon, ouais, c'est ça. Fénardin, enfin, Fénardin, je sais plus. Voilà, bref, il monte niveau 25, c'est ce que je voulais. Noctangui, alors ça, c'est une sorte de piranha, de Kervana, qui est bien dangereux. Oui, j'ai le thé. Rapide, avec un gros DPS, une vraie peste, hein. Et Babou-Linel a d'ailleurs eu un mort à cause de ce Pokémon. Piqûre. D'ailleurs, la championne d'arène de Vagune en a un. Narc. Attention, évolution. Pom 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 pom. Fais attention entre l'autre Kamen et vous en Terzar. Double baffe, ouais, la baffe de dragon.
Bon, ben. Bah, les griffes, hein. Alors, ça fait quoi ça? Le lanceur frappe brutalement l'ennemi deux fois d'affilée avec une baffe de dragon. Qu'est-ce qu'il dit lui? Eh bon, maintenant on va tout de suite retourner dans ce centre Pokémon. Le but c'était de le faire évoluer tout simplement. Donc ça sera pas long. Vous allez comprendre pourquoi il faut que je le mette tout de suite en centre Pokémon. Si vous vous en souvenez bien dans l'épisode où j'étais à moitié muet parce que ce micro, enfin plutôt Windows, a décidé de me casser les couilles. Officiellement, ça compte pour la même zone, donc c'est le second Pokémon de la zone capturée. Donc, maintenant que je l'ai fait évoluer pour mon Pokédex, il va aller dans la boîte quarantaine qui sert justement à ça. C'est-à-dire, officiellement, il n'existe pas, c'est comme si je l'avais pas capturé. Voilà, il est en quarantaine, tu ne bouges plus tant que le Nuzlocke est en cours, on n'a pas le droit de l'utiliser. Donc du coup, bah, pour le plaisir, on va prendre... Allez, toi. Dans le layout, je vais mettre ta mimétique, Faramp, qui n'est pas au bon endroit, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Voilà. Attends. Un chouïa par là. C'est bon, Faramp. Non, le layout, c'est sacré, faut qu'il soit à jour. Donc j'ai eu ma petite évolution, maintenant on va se faire le reste. Ah mince! La pièce rune, j'ai oublié. Ellipse. Voilà, c'est bon, j'ai récupéré la pièce rune à Terzar, hein, qui... Du coup, je vais la reforguer et Tinkarassé, hein. Tiens. Faut toujours l'utiliser en combat parce que ça double le Pokéfric gagné. Et vu les prix exorbitants des boutiques à Magune, parce que c'est une ville de riches, hein, c'est un peu Las Vegas, tout est très cher. Vous allez comprendre qu'il vaut mieux optimiser les gains d'argent. Alors, juste pour le plaisir, je vais voir sur le Pokédex ma nouvelle entrée. Alors, serpent, j'avais pas trop bien lu ça. Son corps serpentin est presque toujours sous terre. Ces tunnels qui creusent peuvent être des pièges pour le voyageur distrait. Terzar, Pokémon double vert, type dragon. Ça peut être une réponse au Cocapod de la prochaine championne. Hein. Ouais, c'est le type dragon, résiste au type plante et eau. Les deux têtes de Terzar sont indépendantes et sont ouvertes à la discussion, mais que celles-ci se mettent d'accord relève du miracle. Ouais, c'est une sorte de d'hydre. Alors, il y a un combat double qui traîne. Ah, un objet. Bec pointu. Encore un objet. Tout, 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 leur sang. Et toi, tu t'es introduit dans notre planque secrète, on va te punir. Bon, c'est le petit, tout petit petit crabe. Hein. Ah, j'ai même pas vu que j'avais guiloqué. Bon. C'est bon, ça va gérer. Alors, pour moi, le plus dangereux, c'est clairement le co-crabe. Oula, oula, oula. Ouais, c'est bon. Bon, là par contre, je suis petit team caressé. Un petit Pokémon de type vol. Et toi, type ténèbres. Je sais pas combien de dégâts ça va faire retour. Allez, on va se débarrasser de fait lancer. Combo griffe. Deux fois, voilà. Ok, donc vaut mieux que je me débarrasse vite d'auto-perceur. Ça c'est une... Ouais, puissance cachée type fée, ça va faire mal. Juste pour sécuriser, on va attaquer ton perceur. One shot. Raté. Oh, petit escargot. Du coup... Pokémon, on va switcher. Attends, c'est Fénard... Non. Par contre, oui, c'est Fénardant, parce que c'est là où Babouliné a perdu son Fénardant, c'est contre ce Pokémon qui a fait boule d'eau et qui l'a OS. Alors, même si j'ai quelques niveaux de plus que son Fénardant, je vais quand même switcher sur... Allez, Wigiloté qui a un bon potentiel de tank, et toi, tu vas changer le Félindra tête de tigre. Eh ben dis donc, au revoir, Féline de la tête de tigre. Référence à Fort Boyard. Voilà, Bulldo, je l'avais anticipé. Vous avez vu les dégâts qu'il a fait sur Wigiloté?
qui était full vie en arrivant. Hein. 36 dégâts. Alors, sachant que j'ai combien? J'ai 62 des défenses P. Oh, ça va. Quoique, coup critique, ils auraient été morts. Hein. Giga Sensu. Et toi, bah, tu fais figuration, fais ce que tu veux. C'est extrêmement efficace. Alors, bref, j'ai bien fait de switcher, parce qu'un coup critique... Ne pense même pas à me piquer ma copine. T'es assez fort, je pense que t'es cool. Tu veux quoi, toi? Dégage ma pelouse. Bon, bah, je pense que c'était tout ce qu'il y avait à faire, ici. On va parler à tout le monde. On va sauvegarder, quand même. Allez, maintenant, on va sauvegarder. On va visiter tranquillement la ville. Je vais gagner ce combat, j'ai un Dracaufeu. Rien ne bat Dracaufeu. Ah, il est mythique, un Dracaufeu. Ah oui, le trésor, c'est cheaté. Hein. Non, ça n'a pas empoisonné, je suis au milieu de la forêt du château sans antidote. Pourquoi est-ce que je ferais ça d'abord? Oui, dans le poison, ben, poison old school, vous avez compris, le poison il tue. Hein. C'est des références à Pokémon rouge et bleu. Ah bah tiens, j'ai combien de Pokéfric? Parce que j'ai dépensé presque tout mon argent à la fin de l'épisode précédent. Non, ma carte dresseur, s'il vous plaît. Ma carte bancaire. Ok, 51 000 Pokéfric. Dernier étage, s'il vous plaît. Bzzz. Pim pim. Bonjour, boutique des raretés. Nous sommes vendredi. Qu'est-ce que vous vendez le vendredi? Électrolucite. Ah, les restes sont venus ici. Attends, je vais en prendre. C'est vraiment pas cher, hein, cette. Sont de glace, allez, on va en prendre deux. Et moi, on va en prendre deux, c'est vraiment pas cher. Et comme j'ai pas assez d'argent pour l'objet le plus rare, on va vendre un petit truc. On va vendre 68 hyperboles. Superboles, là. Voilà, histoire d'en avoir 99 maximum, parce que je considère que le maximum autorisé c'est 99. Acheter, pas vendre. Et on va acheter cet objet rare. Hein. Il matérialise le game. Donne l'électricité pour plus de game, oui. Voilà, c'est bon, j'ai fait les dépenses du jour. Donc maintenant, après c'est fermé le week-end, j'ai tout le week-end pour aller chercher du Pokéfric. Rez-de-chaussée, s'il vous plaît. On descend, on monte pas, s'il vous plaît. Bon, en fait, c'est un ascenseur circulaire. C'est pour ça que derrière, on voit que ça défile en montant. Voilà, c'est l'explication. Est-ce que j'ai parlé à tout le monde à Vagune, du coup? Oui, ça j'ai parlé à eux. Alors là, c'est le truc des rangers. Faut surtout pas rentrer, bah ça va enclencher la quête principale. Et j'ai pas envie de continuer sur la quête principale. Toi, t'es un vendeur de Camelot. Oh, il y a un objet derrière le... Attends. J'ai pas parlé en sorte de Pokémon. J'ai essayé de battre Kali, la champion. C'est la championne, c'est pas... C'est une femme, c'est pas un homme. Mais elle m'a explosé, je dois m'entraîner pour essayer encore. Tu veux te battre? Ah, tiens. Attendez. Je sais pas du tout ce qu'elle a comme Pokémon. Ça va, c'est pas... Sauvegarder. Allez, on fait ce combat. D'ailleurs, je me demande si c'est un dresseur répétable. Tonemi. Bon, c'est bon. Parfait, type poison contre type acier. Bisous, amour envers son dresseur. One shoot, au revoir. Ta minétique, c'est quoi? Allez, Runner. Niveau 35. Wow. Oui, il parle Dracaufeu, c'est un peu le Dracaufeu de ce jeu. Hein. Alors, ampleur. D'ailleurs, dans les trois derniers jeux Pokémon auxquels j'ai joué, Pokémon version Gemme, Éclat Pourpre et maintenant Uranium, j'ai toujours pris le starter feu. J'ai une affinité avec les starter feu. Hein. Féroce, hein, je vais mettre une petite fée. Après, je vais reparler à ce dresseur après, voir si, juste par curiosité si c'est un dresseur répétable. Ah, merde, je me suis trompé d'attaque. Il est quand même one shoot, même si c'est pas efficace. Bon. Ouais, t'as vraiment besoin d'entraînement. Hein. Non, j'ai pas ta minétique. Ah, il est pas répétable ce combat. Bon, tant pis. Les infirmières vous crient dessus. Bah oui, professeur Bambo qui disait non, pas dans le labo. Bah, les infirmières jouaient, elle dit non, pas dans le centre Pokémon, les combats, c'est dehors. Tu vas te mesurer en champion, elle est plus coriace qu'un alert. Ces Pokémon ne sont pas de tous ce typo, donc ne pense pas qu'elle est avec un Pokémon électrique, t'assurera la victoire.
Ouais, il faut plutôt un Pokémon de type Weevil. L'eau. Avoir l'eau soi-même pour la posture défensive. Hôtel Casino Vagune. On finira l'épisode ici. Alors, elle donne un œuf. Je ne vais pas le prendre pour le moment. Enfin, si, je le prendrai à la fin de l'épisode. Oui, c'est sûr, c'est la ville de la fête. Elle donne un œuf d'une sorte de végétal gélatineux. Voilà, on se demande ce que c'est, ce Pokémon. Vraiment un peu moche, je vais pas me le cacher. Mais une fois que c'est évolué, c'est un peu plus joli. Bref, allez, maintenant on est au casino. Avec la musique. Casino! Donc on va finir tranquillement l'épisode avec un petit peu de... Les machines à sous. Je vais vous montrer 2 minutes. Alors, je vous donne une astuce. Si vous voulez essayer de mieux viser, vous allez dans les options, vous baissez les FPS à 40, et ça sera plus facile de viser dans la machine à sous. Voilà. Mais j'ai pas mis le bon... Ah, attends, j'ai pas mis le bon nombre de jetons. Donc je vais faire 2 minutes de machine à sous. Ah, mais... Bon, c'est bon, j'ai été remboursé. Par contre, le jeu est moins réactif à 40 FPS. Hein. Allez. Ouh là là, triple... triple cerise. Alors, les machines à sous sont relativement sympathiques. Je veux dire, on gagne avec les cerises, on gagne très souvent. Vous mettez toujours 3 jetons. Petit à petit, vos jetons vont monter. Mais c'est assez lent. Voilà. Donc limite, si vous pouvez mettre une sorte de macro pour que ça appuie régulièrement sur le bouton A, pour voilà, l'espérance de gain est positive avec ces machines à saut. Rask. Win, 12 jetons. Alors on va essayer de faire un petit set. Raté. Ah, ils sont où les 7? Allez, on va essayer de subiser les 7. Ça, ça réagit en retard, les rouleaux, là. Mess. Tant pis. Mess. Parfois, on se dit que c'est plus rapide de mitrailler la touche 1. Hein. Ah, j'appuie trop tôt. Ouais, j'ai pas l'impression que ça réagit exactement au moment où j'appuie. Ouais. Cerise, je suis sûr de gagner. Alors, j'étais à 5010 jetons quand je suis arrivé. Ok. Oh! Ouais, cerise, c'est sûr qu'on est gagné. Allez, 16 jetons. Je gagne plus de jetons avec les cerises qu'avec 7. Presque. J'ai réussi à avoir un triple 7 la dernière fois. Hein. Bon, ce sera la cerise. Ah, il m'a décalé le... J'ai vraiment l'impression que ça réagit en retard. Hein. Son jeton! Voilà, je vous ai fait un triple 7. La chance me sourit, j'ai un Levenard avec moi. Bon, par contre, c'est vrai que c'est vraiment bien fait. Franchement, je félicite les créateurs de cette Acrom pour avoir vraiment représenté la machine à sous comme dans les versions vert, feuille, rouge, feu. Par contre, il n'y a pas les petits bruitages quand on arrête les rouleaux et, tout, et les jetons qui tombent. Voilà, c'est bon. Je vous ai montré un triple 7. Maintenant, on va jouer au Voltor Bataille. Hein. Qui est un jeu de réflexion qui ressemble à des mineurs. Donc je vais vous expliquer le principe, le petit tuto, voilà, on finira tranquillement l'épisode sur ça. Donc vous avez en bas et sur la droite ce qui indique le nombre de la somme de toutes les cartes. Donc vous pouvez retourner des cartes 1, 2 et 3. Les cartes 1 en gros c'est des cartes neutres, ça change rien. Et les Voltorbs ça vous fait perdre la partie en cours. Voilà, c'est les mines, vous tombez dessus, vous perdez la partie. Et le nombre de Voltorbs est indiqué
par ligne et par colonne indiquée donc à côté. Donc par les lignes à droite bien sûr et de chaque colonne en bas. Par exemple, dans la colonne de gauche, ça veut dire qu'il y a le total des chiffres fait 3 et il y a 3 Voltorb. Qu'est-ce que j'en déduis sachant que dans une ligne ou une colonne, il y a 5 cartes. Ça veut dire que donc il y a 3 Voltorb. Et sur les deux cartes qui ne sont pas des Voltorb, il y a forcément un 1, puisque les cartes 0 n'existent pas. Hein. Un Voltorb, c'est un 0 en quelque sorte. Et un 2. Sur cette colonne, il y a un total de 4 sur les cartes et 2 Voltorb. Ce qui veut dire qu'il y a donc, sur les 3 cartes qui ne sont pas un Voltorb, il y a soit 2 1 et un 3, ou soit 2 2. Là, je vois que le total est 5, et à 0 Voltorb. Ce qui veut dire, déduction, qu'il y a forcément 5 1. Donc je peux tout retourner, c'est safe. C'est le niveau 1, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de Voltorb, mais pas beaucoup de cartes 2 et 3, donc les gains sont très faibles. Là, je vois qu'il y a 0 Voltorb. Je peux tout retourner, et comme il y a un 6 pour 5 cartes, ça veut dire qu'il y a un 2 parmi les cartes à retourner. Donc là, c'est forcément un 2. Du coup, déduction. Sachant que j'ai trouvé le 2 qui est ici, j'ouvre la note, et je marque qu'il y a des... Alors, il n'y a que... Y a pas comme, c'est pas comme dans le Demineur Windows, on peut mettre soit un point d'interrogation, soit un drapeau pour dire qu'il y a une mine. Il n'y a que une marque, le Voltorb. Donc on utilise la marque pour marquer que c'est soit un Voltorb ou soit un 1 qui n'ont pas vraiment d'intérêt à être retourné. Donc je sais que là, sur les 4 cartes restantes, il n'y a que des 1 ou des Voltorb. Donc je les bloque en mettant, en les marquant pour pas que je puisse les retourner accidentellement. Ça sert à rien de les retourner. Ensuite, qu'est-ce que j'apprends d'autre ? Donc là, il va falloir y aller malheureusement un petit peu au pif. Là, alors là, c'est probablement un 3. Non, je peux encore tout retourner ici parce que c'est 0. Donc on retourne. Voilà. Toutes les colonnes ou les lignes où il y a 0 Voltorb, vous pouvez tout retourner, c'est safe. Et quand dans une colonne ou une ligne, le total des Voltorb plus les points de carte font 5, vous pouvez tout retourner aussi. Enfin, tout marquer comme Voltorb, il n'y a que des 1 ou des Voltorb. Voilà, bref. Poursuivant donc. Là, maintenant, j'ai découvert qu'il y a un 2. Sachant que la totale de cette ligne est de 4 plus 2 Voltorb, ça veut dire que le reste, c'est forcément des Voltorb ou des cartes 1. Donc, je les marque, c'est des cartes trash. Ça sert à rien de les retourner. On continue. Là, je sais qu'il y a un 3. Malheureusement, même en sachant que c'est un 3, ça ne m'apprend rien du tout. Ce qui veut dire que je vais devoir prendre un risque et retourner une carte au pif. C'est-à-dire, entre là et là, il y a moins un Voltorb sur ces 4 cartes, c'est sûr. Mais je peux pas savoir parce que 1 plus 3, j'ai 4 points. Il me reste encore 3 points à découvrir sur 3 cartes. Donc il y a un Voltorb. Donc il y a un 1, 1 et un 2 et un Voltorb sur ces 3 cartes par retourner. Donc le moins risqué, c'est là où il y a la somme la plus élevée et les nombres de Voltorb les plus faibles. Quand je croise la colonne et la ligne. Donc je vais plutôt retourner cette carte. C'est la moins risquée. Bon, malheureusement, j'ai pas eu de chance. C'était quoi? Une chance sur 10? Ouais, j'ai vraiment pas eu de chance. On va recommencer, autre exemple. Alors, ce qui est bien avec le Voltorb Battle, contrairement à Machine à Sous, la partie est gratuite, hein. Il n'y a même pas un jeton de misée, c'est... vous pouvez que gagner. Donc, vous comprenez pourquoi chez Nintendo, ils ont mis ce jeu dans les versions européennes, pour pas avoir le PEGI 12, jeu de hasard, comme il n'y a aucune mise. Ben, voilà, c'est pas considéré comme jeu d'argent, c'est un jeu de divertissement. On continue. Alors, ça, là, le total est de 5 entre les bombes et les... Et les points, donc ça sert à rien de retourner ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de... à retourner encore? Là, je peux tout retourner, c'est safe. Puisqu'il y a 0 Voltorb. Voilà, bon, il n'y a que des 1, mais je les retourne quand même. Alors, s'il n'y a que des 1 et 0 Voltorb, retournez-les quand même. Parce que plus vous retournez de cartes, et en cas de vous tomber sur une mine, ça vous évite de perdre trop de niveau en cas d'échec. En fait, la formule est très simple. Quand vous êtes à un niveau, le nombre de cartes déjà retournées sans mine, bien sûr, vous indique le niveau minimum que vous aurez à la prochaine partie. Voilà, si vous avez retourné 3 cartes et que vous prenez une bombe, vous ne tomberez jamais en dessous du niveau 3 à la prochaine partie, par exemple. Et si vous avez retourné 4 cartes, ben, vous retomberez au niveau 4 si vous étiez au-dessus du niveau 4. Et vous restez à votre niveau si vous étiez au niveau 4 au moins, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert de beau? Donc là... Le total fait 6, sachant que j'ai trouvé un 2, ben, je peux bloquer ces cartes, ça sert à rien de les retourner. Ensuite, là, ça sert à rien de retourner parce que le total fait 5 entre les bombes et les points. Donc du coup, il me reste plus que ça et ça.
Là, pas moyen de savoir. Donc je vais devoir encore tenter. La plus safe, c'est celle-ci. J'ai découvert un 3. C'est génial, du coup, je sais que là, ça sert à rien de regarder. Puisque j'ai le taux. Parce que 3 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 6, plus 1 Voltorb. Forcément, il n'y a plus d'intérêt à retourner le reste. Par contre, là, je ne sais pas encore où est le 2. Il y a un 2 qui traîne. Le plus probable, c'est ici, donc je retourne ici. Ah, voilà, j'ai jamais de chance. J'ai vraiment pas de chance, hein. On va recommencer, on va... Alors là, c'est magnifique, il y en a 9. Je retourne tout, il n'y a aucun risque. Là, le total fait 5, c'est pas la peine de retourner. Là, le total fait 5, c'est pas la peine de retourner. Alors, qu'est-ce que je sais? Là, le total fait 3. Voilà, c'est parti, très facile. Comme il y a 3, le total fait 7. Donc, ça correspond, le reste, c'est que des 1 ou des bombes. Donc, du coup, ce qui veut dire que la bombe est forcément là. Ou c'est un 1 ou un bombe. À partir du moment où il vous reste qu'une ligne ou une colonne à résoudre, vous avez gagné. Donc, c'est pas ici. Voilà, le total fait 5, le total fait 5, le total fait 5. Donc, le 3 est forcément là. Et la grille est résolue. Ça, c'est le cas idéal. Aucune prise de risque. Allez, on y va. Bon, ça, c'est... Alors, du coup, on repasse niveau 1. Voilà, ça, c'est sournois. Le jeu, vous cliquez trop vite sur le bouton A et ça vous retourne la carte du haut en bas. Et... faut faire gaffe. Hein. Je vais vite résoudre ça. Allez, allez, retourne, retourne. Aptou. Alors là, le total fait 5, je neutralise. Attends, là, il n'y a aucun Voltorb, donc je peux tout retourner. Voilà. Là, merde. Bon, je me suis trompé de bouton. Attends, je vais quitter. Oui. Non, non, je veux quitter, je veux quitter. Je sais ce qui me perturbe. Non, non, attends. Le DPS. Là, voilà. Voilà pourquoi je galère et que j'ai l'impression que le jeu rame. Allez. Donc là, je neutralise. Attends. Là, attends. Il y a 0, donc je peux tout retourner, c'est safe. Est-ce qu'il y a des totales là? Non, non, là tu me marques, s'il te plaît. Ok. Là, le total fait 6 et j'ai un 2, donc je peux neutraliser. Bon, c'est pas une grille très facile, celle-ci. Là, il est probable que ce soit un 3. J'ai un 3, donc ça sert à rien de regarder là. Du coup... est-ce que j'ai le total 2 plus 3, sachant qu'il y a un Voltorb, ça fait 5, 7. Non, il y a un 2 et un 3 et un Voltorb sur les 3 cartes restantes. Là, il y a un 2, un 3 et un Voltorb. Donc là, c'est typiquement ce que j'appelle la situation catastrophe. Alors la moins risquée, c'est cette case. Parce que dans la colonne aligne, il m'indique une seule bombe. Ok, il m'a dit que c'est un 1. Ce qui veut dire que le 2 est forcément là. Donc déduction, la bombe est là. Et forcément le 2 est là. Bon, il y a des moments où vous êtes obligé d'opter en pif. Alors niveau 2. 0 bombe sur cette colonne, donc on retourne tout. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres avec 0 bombe? Non. Est-ce qu'il y a des lignes ou des colonnes avec un total de 5? On neutralise celles qui font 5. Alors là, 3, ça fait... malheureusement, le total n'est pas encore bon. Il y a encore une grosse carte. Là, je peux neutraliser. Là, je peux neutraliser. Voilà, le reste, ça va être au pif. Donc, on va prendre là où c'est le moins risqué. Là, il est probable que ce soit un 2. Ou un 3. C'est un 3. Alors c'est magnifique parce que du coup je peux neutraliser ces deux cases, le total est bon. 3 plus 1 plus 2, 1 ça fait 6 et 1 Voltorb. Alors malheureusement il reste encore un 2 à découvrir ici. Alors quelle serait la case la moins risquée?
serais tenté d'ouvrir cette case. 4 et 2. Alors j'ai de la chance, j'ai découvert le 2, ce qui veut dire que du coup je peux neutraliser ici. Et comme il me reste qu'une seule ligne à résoudre, j'ai forcément gagné la grille. Il me suffit juste de compter le total de chaque colonne pour retrouver où est la dernière carte à découvrir. Donc là je sais que c'est que des Voltorb ou des 1, donc déduction, c'est un 2 ici. Là, il y a un 2 qui a été découvert. Donc là, c'est forcément un 1 ou un Voltorb. Donc la bonne carte est ici. Tableau terminé. Avance au niveau 3 du jeu. Alors, première chose à regarder, est-ce qu'il y a une colonne safe? Oui, il y a cette ligne qui est safe. Je retourne tout. Voilà. Du coup, c'est génial parce que comme j'ai un 3, ben, le total fait 7. Donc, je neutralise tout. Là, le total fait 5, on neutralise tout. Là, le total fait 5, je neutralise. Ça fait 5, je neutralise. Il me reste plus que ces 6 cases à résoudre. Ah, non. Là, je sais que le total fait 6. J'ai un 2, donc je peux neutraliser ça aussi. Et il me reste que ces cartes à tenter. Donc, là, le total fait 7. Total fait 4. Là, le total fait 6 et 1. Il est probable qu'il y ait 2-2 en haut. Donc, je vais retourner cette case-là en priorité. Ah. Voilà, vous voyez, ça, entre les 4 cases qui restaient, ça fait ce que j'appelle une sorte de croisement. C'est ce que j'appelle la situation catastrophe, mais je pense que j'ai fait un peu le bête. J'aurais pu la résoudre. Ouais, non, là j'ai été con. Si c'était un, les deux. Alors, si on restait deux Voltorb et deux fois le même chiffre, 3 ou 2, c'était une chance sur deux de tomber sur la bombe. Là, c'était pas le même chiffre, donc j'aurais un peu mieux réfléchi. Et j'aurais pu résoudre l'énigme. Donc, comme j'ai retourné plus de 3 cartes, mon niveau ne chute pas. En gros, j'ai rien perdu, je reste au même niveau. Donc, c'est exponentiel. Plus vous montez en niveau, à chaque fois, le potentiel gain de jetons est doublé. En début, c'est à peu près 32, puis le niveau 2, c'est 64. Le niveau 3, c'est 128, on va dire. Niveau 4, c'est 256 jetons, environ. Hein. Et au niveau 7, vous gagnez 1000 jetons si vous résolvez la rigueur. Hein. Donc ça va vite. Donc voilà, là, j'ai une ligne safe. Je la retourne. Le total fait 6, j'ai un 2, je neutralise. Et je crains que c'est tout ce que je peux découvrir. Donc là, il va falloir tenter en pif. Alors où est-ce que c'est le moins risqué? Alors voilà, c'est une situation catastrophe. Sur les 4 colonnes lignes qui restent, il y a 2 Voltorb, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement répartis. C'est ce que j'appelle une répartition en diagonale. C'est la situation catastrophe. Donc il va falloir essayer de découvrir des cartes ici. Bon voilà, c'était une mauvaise grille. Ok, je sais pas pourquoi il me fait chuter au niveau 2. Donc, on a une colonne safe. Génial. Ouais, non, apparemment, d'après ce que j'ai compris, non, quand on retourne des cartes 1, ça compte pas, c'est tous les 3 et les 2 retournés qui limitent la baisse de niveau. Et là, comme j'ai eu que de la merde, eh ben, ils m'ont mis une pénalité de niveau. Bon, pourtant, il me semblait avoir lu sur Poképédia qu'il est conseillé de retourner. Si vous êtes sûr que c'est un 1, même si c'est un 1 qu'il faut le retourner, que ça rend safe. Alors là, on peut neutraliser. Bon, gris facile. Alors 3 plus 4, donc là c'est forcément une bombe. Ouais, 4 Voltorb et un 3. Donc là c'est la bonne carte. Et c'est un 3 si je compte bien. Oui, un 3. Bon, c'était une petite grille, hein, 54 jetons. Allez, on va s'en faire un. Là on a une colonne safe, on retourne tôt. Là aussi j'ai une ligne safe, on retourne tôt. Là, j'ai une ligne qui sert à rien. On neutralise tout. Là, on neutralise tout. 6, 4. Non, là, je peux pas savoir. Je peux pas savoir. Là, je neutralise tout, puisque le total fait 6 et j'ai un 2. Ok, donc maintenant, pour les 6 dernières cases, il va falloir y aller au pif. Là, ça fait un total de 4 et 2. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 Voltorb
un 2 et un 1. Sur ces trois cases-là. Ici, qu'est-ce qu'il reste? Donc là, il y a... Entre ces deux cases, c'est sûr qu'il y a un 2. Un 1 et 2 Voltorb, pareil. Là, il y a un 2, pareil. Un 2, un 1 et 2 Voltorb. Donc, j'en déduis que... Attendez. Attendez, 6, 6, 6. Là, je vois... Donc, il est peu probable... Si, là, forcément, il y a un 2. Attends, total de 2. 6, 2. Ça veut dire que j'ai combien de 2? Donc, il y a probablement 2, 2 sur ces trois colonnes. Donc, je vais ici. Ah, c'est même un 3. Donc, de ce fait, déduction. C'est une bombe ici, c'est sûr. Est-ce que ça m'aide à résoudre le reste? Eh ben malheureusement ça n'aide pas. Donc là je sais qu'il y a un 2 et 1 et une bombe. Ou un 1. Voilà, là c'est la situation catastrophe. J'ai... Le total correspond entre les 4 cases. C'est ce que j'appelle un croisement. Il y a un 2 qui traîne. Ils sont répartis en diagonale. Alors dans quelle diagonale il y a les 2? Alors qu'est-ce que du coup serait le moins risqué? Ben... C'est une chance sur 2. Là j'ai pas le choix. Donc c'est forcément là. J'ai eu de la chance. 144 jetons. Allez, niveau 4, on va essayer de monter un peu plus haut que ça. Donc là, il n'y a que des bombes et des 1, on neutralise. Par ici. Donc là, j'ai pas trop de chance. On va neutraliser. Là, c'est probablement un 3. Voilà. Mais ça m'aide pas beaucoup pour résoudre la grille. Alors, on va éviter de retourner ici parce que ça m'a l'air bien miné. On va retourner là. 2. Du coup, le total fait 6, donc je peux neutraliser ça. Alors, il y a une bombe. Le total fait 5. Ça veut dire qu'il y a soit un 3 et un 1, soit 2, 2. On va retourner là. Donc là, le total fait 2, forcément. Il n'y a que des bonnes cartes sur cette colonne. Du coup, est-ce que ça m'aide à résoudre? Oui, je peux neutraliser ça. Donc il ne reste plus que ces 6 cases à résoudre. Là, le total fait 6. Il y a une bombe. Non, il reste... Il y a 5 points à répartir pour 3 cartes bonnes. C'est-à-dire qu'il y a soit un 3 et un et 2, 1, soit un 2, un 2 et un 1. Sachant que là... Ah oui, je peux neutraliser d'ailleurs. Ouais, le total fait 5, j'ai pas vu ça. Donc du coup, il me reste 4 cartes à résoudre. Le moins risqué à première vue, c'est ici. Donc j'ai une chance sur 4 d'avoir une bombe. Alors, youpi, j'ai un 3, ce qui veut dire que là, je peux neutraliser. Là, je peux neutraliser. La bonne carte est forcément là. 216 jetons. Passons au niveau 5. Alors là, c'est magnifique. J'ai une ligne où il n'y a aucun Voltorb et 10 points. Donc je dévoile tout. Là, le total fait 5, donc je neutralise. Total fait 5, je neutralise. Ça fait 5, je neutralise. Est-ce qu'avec ce qu'on a retourné, on peut en déduire certaines choses? Oui, alors là, il n'y a que des Voltorb ou des 1, on neutralise. Bon, d'ailleurs, c'est que des Voltorb ici, puisque il y a une seule bonne carte et c'était un 3. Ça devrait nous faciliter la mouise. Alors ici, il y a un... Alors sur les 4 cartes restantes, il y a donc un Voltorb. Et sur les 3 cartes bonnes, il y a forcément... Alors il y a forcément que des 2. 2, 2 et un 3, ça peut être que ça. Ou non, ou un 3, ou 2, 3 et un 1. Ici, on a 3 Voltorb. On a un total de 4, donc soit on a un 3 et un 1, soit 2, 2. Là, on voit qu'on a un total très élevé. Ce qui veut dire qu'il est probable qu'ici ce soit une bonne carte, c'est un 3. Alors ça m'aide pas trop, hein. Malheureusement le 3 ne m'arrange pas beaucoup. Donc il y a un Voltorb, on a un total de 5, ce qui veut dire qu'il reste 4 points à répartir sur 2 bonnes cartes.
Donc ça peut être soit un 3 et un 1, soit 2-2. Si ça aurait été un 2, c'était forcément un 3 ici, donc... ça ne m'arrange pas vraiment. Donc là, j'ai une chance sur 3 d'avoir une bombe. Vu que le total est plus élevé ici, on va dévoiler. On a un 3. Donc ça veut dire qu'ici, c'est forcément un 1 ou une bombe. Là, c'est forcément une mauvaise carte. Donc c'est bon, je peux résoudre. Ah bah attends, j'ai même pas vu qu'ici, le total fait 5. Donc c'est forcément une bombe ou un 1. Donc la bonne carte est forcément là. Tableau terminé. Et je gagne au niveau 5, 486 jetons. Allez, niveau 6. Bon, dès que je perds, j'arrête. Hein. Bah, c'était juste pour vous montrer le volt en bataille. Alors, est-ce qu'il y a des colonnes avec 0? Non. Est-ce qu'il y a des colonnes qui ont un total de 5? Non. Donc c'est un peu la situation catastrophe, je suis totalement aveugle. Si je retourne direct à Voltorb, je tombe directement au niveau 1, autant dire que j'ai perdu. Voilà. Donc il faut commencer par ce qui semble être le moins risqué, c'est-à-dire là, la colonne et la ligne croisée où il y a le plus de points et le moins de Voltorb. Donc on va plutôt soulever en haut, ici. Bon, c'est un 1 malheureusement. Là, ils sont qu'on a un bon total. Et voilà, je tombe niveau 1 du coup. Voilà. Il a fallu que je tombe sur la seule mauvaise carte. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous avez 11 Voltorb sur 15 cartes hein, au niveau 6. Hein. Et là, je tombe niveau 1 puisque voilà, j'ai perdu. J'ai retourné aucune bonne carte. Donc, ça sert à rien de continuer. Voilà, game over. Voilà. Ainsi va s'arrêter cet épisode casino. Ouais, j'aurais gagné je sais pas combien de jetons. Attends, je vais vérifier vite fait. Alors, objet rare, c'est où? Ouais, j'aurais gagné 1300 jetons, voilà. Ouais, ainsi s'arrête cet épisode. Donc, prochain épisode, on va pexer un petit peu. Et on va essayer de se faire l'arène de Vagune. Si j'ai le droit d'y entrer. Je devrais aller voir mon père au QG des Rangers. Voilà. Bon, du coup, on ira voir, après avoir fini le grind, le père au QG des Rangers. En tout cas, merci d'avoir regardé. Voilà, c'était l'épisode tranquille, pas trop de combats. On va chercher quelques récompenses aussi de là. Le prochain épisode sera plus sérieux. Il y aura de la baston. Allez, je vous dis à plus. N'hésitez pas à mettre un joli pouce, à commenter, à vous abonner. Et au prochain épisode de cet épisode de Pokémon version éclat pourpre. Pas éclat pourpre, uranium.